Hi Sadhguru. Today each of us works hard to earn money thinking money will give us happiness. Happiness is the most marketed thing. We think we drink alcohol thinking it'll make us happy. We want to be with a woman thinking she'll make us happy. But what is it that'll make us happy? What is it that'll keep us happy? We are at a point where we don't even know where it is that we'll find happiness. So what is happiness? What does a happy man look like? What does a happy man do? Don't tell me look for happiness inside. That answer doesn't work for me. Give me the truth. Namaskaram Vijay. Et si vous êtes une colline, comment rendre une colline heureuse? Donc, à quoi ressemble un homme heureux? À quoi je ressemble selon vous? Donc, nous pensons au bonheur comme à une sorte de commodité ou à une sorte d'accomplissement. Non, quand votre vie est à l'aise, quand vous êtes à l'aise, le bonheur est une conséquence naturelle. Être à l'aise, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de façons de voir ça. Eh bien, puisque je ne dois pas dire « regardez en vous », vous m'avez déjà fixé une condition. Donc, est-il vrai qu'aujourd'hui, même médicalement, on sait que toute expérience humaine a une base chimique? Donc, ce que vous appelez paix est un certain genre de chimie, le bonheur est un autre genre de chimie, la joie est un autre genre de chimie. Être malheureux est un autre genre de chimie, l'angoisse est un autre genre de chimie, l'extase est un autre genre de chimie. Chaque expérience humaine a une base chimique. Ou, en d'autres termes, vous êtes une soupe chimique très complexe. La question est juste ceci. Êtes-vous une excellente ou une mauvaise soupe? Si vous êtes une superbe soupe, vous avez bon goût. Pas pour quelqu'un, pour vous-même. Quand vous sentez très bon pour vous-même, quand vous êtes assis ici, si vous vous sentez extrêmement bien en vous-même, parce que la soupe est super, alors les gens disent que vous êtes heureux. Si vous vous sentez très très bien, les gens diront que vous êtes joyeux. Si vous vous sentez super bien, les gens diront que vous êtes extatique. Donc, pour rendre les choses très simples et compréhensibles pour un maximum de gens, votre chimie doit être modifiée. Il y a toute une technologie avec laquelle nous pouvons créer le genre de chimie que vous voulez. Si je vous apprends comment créer une chimie de joie en vous, votre chimie elle-même devient joyeuse, et vous serez joyeux. Une fois joyeux, vous ne serez plus en quête du bonheur. C'est notre plus grande erreur, nous sommes en quête du bonheur. Votre vie doit devenir une expression de joie. Quand votre vie est une expression de votre expérience, alors, ce que vous faites ou ne faites pas ne va pas déterminer la qualité de votre vie. La manière dont vous êtes intérieurement va déterminer la qualité de votre vie. Je suis désolé, une fois de plus, j'utilise l'expression « en vous », mais la chimie n'est pas en vous, elle est encore en dehors de vous. Mais si vous savez comment faire la bonne soupe, alors, être joyeux n'est pas un problème, c'est une conséquence naturelle de cela. Donc, on peut vous enseigner une technologie, on peut vous enseigner une méthodologie avec laquelle vous saurez comment préparer le genre adéquat de soupe en vous. C'est ce que j'appelle ingénierie intérieure. C'est-à-dire que vous faites l'ingénierie de votre chimie de telle façon que ceci est joyeux par sa propre nature, pas grâce à quelque chose. Si vous pensez que vous allez extraire du bonheur de quelque chose ou de quelqu'un, vous allez être déçu parce que rien ne va marcher, à moins que vous n'ayez une chimie de joie en vous.